Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une morning routine. Donc, je commence par réveiller les enfants. J'ai réveillé Noé, je lui ai allumé la lumière dans le couloir et je lui ai ouvert sa porte. Donc, ça le réveille tout doucement. Et ensuite, je vais réveiller les deux plus petits. Donc, aujourd'hui, il n'y aura que Maddy qui va partir à l'école. Aiden reste avec moi, mais je préfère les réveiller tous ensemble parce que dans tous les cas, quand j'en réveille que un, Aiden revient quand même, quoi qu'il arrive, 10 minutes après. Donc autant les lever ensemble, au moins ils sont contents et ils vont commencer à déjeuner tous les deux. Cause we only want what's best, what's best for you. Comme vous le savez, je prépare tous mes goûters et mes petits déjeuners moi-même, à part les céréales. Et donc du coup, ce matin, c'était flan pâtissier. Donc ils ont chacun eu leur petit morceau. Aiden en a pas mangé énormément. Il a commencé à manger la peau du dessus. Ensuite, il en a picoré. Il m'a demandé des céréales, donc je lui en ai rajouté. Pareil, il en a pas énormément mangé. Par contre, lui m'a dit, il s'est régalé. Il en a mangé deux parts. Et Noé, je crois, deux parts ou une seule. En ce moment, Noé, il a plus trop faim le matin. Donc voilà, je le laisse tranquillou prendre ce qu'il a envie. Moi, pendant ce temps, je vais aller me faire mon petit café, ma dose obligatoire pour commencer la journée. Parce que si je l'ai pas, je démarre pas. J'ai mal à la tête et tout, je suis grave fatiguée. Alors avant, je buvais pas du tout de café, mais maintenant que je m'y suis mise, vraiment, c'est il me le faut le matin, sinon j'arrive pas à me réveiller. What is best for you? I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust in. Entre temps, Noé est parti puisqu'il a mangé très vite. Lui, il va aller s'habiller, se préparer tout seul, se brosser les dents, se mettre son parfum, son déo, etc. Et moi, pendant ce temps, je reste avec les deux petits parce que c'est toujours ces deux-là qui sont les petits retardataires qui mettent du temps à manger et tout. Donc j'en profite pour checker un petit peu mon téléphone, aller sur Instagram, boire mon café vite fait. Et ensuite, on va filer à la salle de bain pour préparer Maddy.
Et voilà la tenue de Noé, donc c'est lui qui l'a choisie tout seul, elle est vraiment belle, il est trop content de son t-shirt qu'il a acheté avec papa aux États-Unis, donc il est trop heureux. Moi pendant ce temps je vais m'occuper de Maddy, donc brossage de dents, je vais l'habiller, je vais lui mettre de la crème, vous allez voir puisque c'est Walid qui a fait les douches la veille et à chaque fois il oublie de leur mettre de la crème, donc le matin quand je les déshabille ils ont la peau toute sèche tel un croco, donc je suis obligée de repasser un petit coup de crème, mais c'est que quand voilà Walid a oublié, sinon normalement c'est le soir, donc après routine normale, brossage de dents, on va se nettoyer le visage, on va se coiffer, s'habiller et mettre le parfum. En ce moment, je rajoute toujours une petite dose de lotion répulsive contre les poux puisque ben, c'est toujours à l'école. On a toujours des mots pour nous dire que certains enfants ont des poux. Donc voilà, pour éviter que les miens en aient, je préfère toujours mettre une petite dose de lotion. Du coup, on part direct avec les chaussures puisque le matin, ben, on est un peu en retard en ce moment. Depuis qu'on est rentré de Miami, je vous l'avais dit sur Insta, je suis en retard sur tout. Que ce soit le soir, le matin, je suis tout le temps en retard. Donc du coup, là, je les ai réveillés trop tard. De base, je les réveille à 7h20. Là, comme vous avez vu, c'était 7h37. Noé essaye de mettre ses chaussures puisqu'il les enlève tout le temps sans les lacets. Donc du coup, après, il doit les remettre avec les lacets faits. C'est pour ça qu'il est en train de bouger dans tous les sens. Maddy va mettre ses chaussures tout seul et Aiden, lui, va rester avec papa le temps que j'amène les deux grands à l'école. Du coup, voici ma petite tenue super confort. De toute façon, je reste dans la voiture, je sors pas, donc personne ne verra que je suis en claquette chaussette. Bon du coup ça y est, j'ai déposé les deux grands à l'école. Aujourd'hui j'ai Aiden puisqu'on est mardi et qu'il n'a pas crèche. Donc ce matin j'ai décidé de faire des activités avec lui. Pas énormément, 2-3 trucs histoire qu'il s'ennuie pas trop. Parce que généralement le matin, quand c'est les jours où il n'a pas crèche, il reste un petit peu sur la tablette, il reste avec moi pendant que je fais le ménage, il me court après et tout. Enfin il s'amuse comme ça. Donc là j'avais décidé de faire des activités parce que c'est vrai que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et je me suis dit bah, pourquoi pas m'y remettre, c'est ma résolution comme je vous l'avais dit en janvier, de faire plus d'activités avec les enfants. Que ce soit Aiden, Maddy, même Noé. Noé, ça va être des activités certes, mais un petit peu plus de devoirs. Et Maddy et Aiden, plus d'activités créatives. Donc du coup, voilà, ce matin, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais regarder sur Pinterest, je pense des trucs de Pâques ou alors de la pâte à modeler. On va faire ça tranquille tous les deux. Ensuite, j'ai un petit peu de ménage à faire. Et puis cet après-midi, par contre, j'ai beaucoup de travail. J'ai tout reporté à cet après-midi. Donc let's go, là, il est avec Walid. Donc là, je vais rentrer, je suis dans la voiture. Je vais rentrer à la maison, je vais le récupérer. Je pense que je vais peut-être me refaire un café parce que je suis fatiguée. Et ensuite, on va démarrer avec les activités, le ménage, etc. Une fois rentrée, je vais directement sur mon téléphone pour la bonne cause, puisqu'en fait ce jour-là c'était l'anniversaire de ma sœur, donc je lui ai fait un petit post, enfin en story, en la taguant. Bon, vous n'avez pas vu le tag, mais c'était que pour elle, elle puisse le voir. Je lui ai mis une musique qu'elle aime bien et tout. Bon, bref, c'était son anniversaire. Donc voilà, j'étais en train de chercher une jolie photo sur son Insta à capturer et à mettre dans ma story. Suddenly,
moment-là, du coup, je vous ai enlevé le passage avec les voix, mais avec Aiden, on faisait la révision un petit peu du corps. Donc, il me montrait ses dents, son ventre, sa langue. Je lui disais les parties du corps et lui me montrait où elles étaient. Donc, une fois qu'il a fini, on va aller se préparer. Je vais le changer. Pareil, lui mettre de la crème, exactement pour la même chose que m'a dit. Et comme ça, je vais en profiter aussi pour aérer les chambres. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire des activités de plus en plus les matins en fait où j'ai Aiden avec moi. Donc ce que je fais, c'est que je vais débarrasser la table du petit déjeuner, je vais nettoyer pour enlever toutes les miettes et ensuite on va aller chercher notre matériel pour pouvoir faire les petites activités. Donc ce matin, j'avais prévu de lui faire une petite carotte de Pâques, en fait, une carotte pour le lapin de Pâques plus précisément. Donc on va avoir besoin d'une feuille verte où je vais faire le contour de sa main qui va servir pour faire les feuilles de la carotte. Je vais prendre une feuille blanche que je vais découper en forme de carotte et lui, je vais lui donner des petits bouts de papier crépon orange et il va devoir les coller sur tout le devant de la carotte. Et ensuite, par derrière, je collerai sa petite main pour faire les feuilles qui ressortent de la carotte. I'm
une fois qu'on a terminé notre activité colle, il a vu la peinture, donc évidemment, il avait envie d'en faire. Je lui ai enfilé son petit tablier, je lui ai donné une feuille et la peinture à doigts. Alors celle-ci, c'est une peinture à doigts qui vient de chez Action, mais je vous la conseille pas forcément parce que je trouve qu'elle reste sur les mains. Moi, j'avais commencé à nettoyer un pinceau et c'est resté, enfin j'ai une French sur les ongles et c'est resté un tout petit peu vert. Ensuite, c'est parti, vous voyez, je vous fais le montage samedi soir et ça a été filmé mardi. Donc c'est parti, mais voilà, je trouve que voilà, elle teinte beaucoup les mains. Même Aiden, il en avait plein les mains, je lui ai nettoyé plein de fois avec du savon et il avait quand même une arrière couleur verte. Donc je vous la conseille pas forcément, elle est pas chère et tout, mais c'est pas une top niveau qualité. Je vous ai tout posté sur Insta et je mets tout le temps dans mes stories permanentes, donc n'hésitez pas à aller me suivre et les regarder parce que j'essaye vraiment d'en mettre le maximum possible pour que vous puissiez les revoir si jamais vous avez loupé ma story en direct. Ensuite, Aiden est parti regarder sa tablette une fois qu'on avait tout lavé, tout nettoyé. Et moi, j'en profitais pour un petit peu travailler, même si j'avais dit que de base, je ne travaillais pas le matin. Mais là, j'avais des commandes à faire. Et en fait, une fois que les filles me payent par rapport à Shogun, je fais la commande directe. J'essaye de pas trop faire traîner. Et ensuite, il est vite midi, donc c'est le temps de préparer le repas. De base, on mange les restes de la veille, mais là, je ne sais plus ce qu'on avait mangé la veille, je ne m'en rappelle plus. Mais il n'y en avait plus, j'avais pas fait assez. Donc du coup, bah, quand c'est ce cas-là, ou alors qu'on a mangé quelque chose de dehors, ce que je fais, c'est que je fais un petit truc ultra vite fait à Aiden, et moi, je me fais tout le temps des sandwichs. Je vous montrerai juste après la recette du sandwich que j'avais fait. C'est ultra simple, mais voilà, c'est ce que je fais. Aiden, lui, adore les crudités, donc c'est ce que je lui ai fait avec du pain et une petite omelette. Donc voilà pour sa petite assiette. Le plateau et la gourde viennent des États-Unis. Je vous avais tout montré dans mon haul. J'essaierai de vous le remettre dans le petit i. Make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in a nightmare. Et donc comme je vous ai dit, pendant qu'il est en train de manger, moi je me prépare à manger pour moi et j'aime bien me faire des sandwichs le midi parce qu'il n'y a rien de plus simple. Ça me fait quand même ma dose de protéines, ma dose de féculents et ma dose de légumes et je prends toujours un fruit en dessert. Donc là ça va être super simple, je vais prendre du pain de mie complet, j'ai ajouté un petit peu de mayo allégée, non celle-ci elle est pas allégée pardon, de la mayo normale. J'ai rajouté deux tranches de gruyère, je vais mettre une première tranche de blanc de poulet, donc là la provençale, je vais rajouter un avocat, je vais essayer d'écraser parce qu'en plus il était bien mûr pour que bah, il n'y ait pas de boue qui glisse quand je vais appuyer sur mon sandwich pour le manger. Et ensuite vous allez voir, je vais rajouter une autre tranche de blanc de poulet, comme ça, ça me double au niveau des protéines parce qu'une tranche égale 30 grammes de protéines. Donc j'essaye d'en mettre deux, comme ça, ça me fait 60 et c'est beaucoup mieux. Et puis en plus ça fait un sandwich beaucoup plus garni.
Du coup, je vous montre ce qui reste dans l'assiette d'Aiden parce que je sais que certaines mamans ça les intéresse. Il a mangé tout son raisin, bon, les trois quarts de son omelette, tout le pain, ça je savais. L'avocat il n'a pas voulu y toucher et les carottes normalement il adore ça, mais là il les a laissées, il en a croqué qu'une. Donc voilà, c'est tout son repas qu'il a mangé, donc les raisins c'était le dessert. Donc du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite morning routine un peu spéciale puisque du coup j'ai laissé jusque midi. Là il est actuellement, je vais vous dire ça, il est midi 39, du coup je pense que je vais regarder le 12h45, j'aime bien regarder ça sur M6 parce que c'est super rapide. Je vais ranger la cuisine. Et ensuite, va falloir que je fasse les lits que j'ai toujours pas fait. Donc, presque 13h, j'ai pas fait les lits dans les chambres. Là, Aiden, il est à la sieste. Quand il aura fini, donc comme je vous ai dit, je vais faire les chambres. J'ai beaucoup de travail à faire cet après-midi. Là, je me suis posée 5 minutes parce qu'il fallait que je passe des commandes. Les clientes m'avaient payé, donc il fallait que je le fasse du tac au tac. Là, je vais devoir m'occuper du groupe avec la formation des filles qui travaillent avec moi sur Shogun. J'ai du montage à faire. Il faudrait que je filme une collab. Donc, je vais voir si je peux le faire ou sinon, je le ferai demain. Et voilà, après j'ai du linge à ranger qui est déjà plié, je vais le ranger. Et je crois que j'ai une machine qui était dans le sèche-linge d'hier, donc il va falloir que je plie. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, j'espère que cette petite morning routine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce type de format, donc un petit peu plus long avec Aiden. Ou si vous aimez bien quand je coupe une fois que les enfants sont partis à l'école. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack.